Bonjour! Coucou! Bienvenue dans le challenge Créer mon année 2019. On va rêver, on va organiser et on va réaliser. Mais on ne s'est pas présenté. Non, mais c'est maintenant. Bon, c'est pas grave. Donc, je m'appelle Aube et voici Mi. Oui, je m'appelle Mi. Et moi, on va dire ce qu'on fait. Est. Je suis graphiste et web designer, designer en communication. Et moi, je suis psychologue et coach. J'accompagne les entrepreneurs spirituels à libérer leur relation à l'argent. Vous êtes au bon endroit si vous êtes submergé. Vous n'arrivez pas à vous organiser. Vous voyez flou pour l'année 2019. C'est compliqué de vous sentir acteur dans cette année et vous vous laissez complètement envahir par les doutes, par les peurs et par les inquiétudes de générer suffisamment de chiffre d'affaires ou de vous organiser correctement pour mener à bien toute votre entreprise. Et pendant les 4 vidéos d'une semaine, où vous choisissez les journées que vous voulez, mais on va, dans ces 4 vidéos, on va, je sais pas ce qu'on va faire. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? T'as oublié déjà? Allez, l'experte en toi. Oui, alors, on va pouvoir constituer une organisation qui permet à trouver d'abord ses objectifs de 2019, ensuite rester avec votre fil rouge et ne pas disperser dans plein d'endroits différents et pouvoir réaliser plus rapidement et plus efficacement surtout les objectifs. T'as quelque chose à rajouter? Oui. Non, non, ça me va. Je pense aux 4 étapes, puisqu'il y a 4 jours de challenge, plus une dernière vidéo en bonus. Donc, les 4 étapes, la première, ça va être de faire le bilan de l'année 2018. La deuxième, de jouer ensemble pour visualiser le chiffre d'affaires pour 2019. La troisième, ça va être la vision. On va travailler, on va rêver ensemble pour voir c'est quoi votre projet de vie global et aller voir à l'intérieur c'est quoi le prochain projet que vous avez envie de réaliser pour cette année. Oui. Et la dernière, Mi va nous présenter. Oui, j'ai un astuce planning. On a trouvé notre objectif, on sait où on voudrait être à la fin de l'année. Et j'ai un système de planning qui permet d'étaler les projets qui appartiennent à cet objectif et les tâches sur l'année entière. Pour ne pas être coincé quand on veut prendre des vacances ou quand on a plein d'autres choses qui se passent dans la vie, mais faire avancer le projet petit à petit toute l'année. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas après pas, avec des petites actions toutes simples, quelques-unes par jour, pas énormément. C'est pas envahissant en fait comme système. C'est ça. L'idée c'est vraiment d'étaler et de ne pas avoir le but devant toi directement comme une montagne, mais de pouvoir voir quelle est ma prochaine action. Donc lâcher la pression pour se faire confiance et ne pas se sentir submergé par la, comme tu dis, la montagne. Exact. Ok, super. On y va? On y va! Cliquez sur le bouton. Voilà. Investir 5 euros et on se voit de l'autre côté. À bientôt!